Eh bien, salut à tous en ce jeudi pour ce match entre le Ghana et le Mali. Premier match virtuel du groupe B. Bon, ces deux équipes ont déjà réalisé leur premier match de la première journée de ce groupe avec un match nul, surprise, du Ghana. Le Ghana qui n'a pas réussi à venir à bout. Alors, c'était de qui ? De la République démocratique du Congo avec deux buts partout. Donc, ils ont quand même réussi à trouver les chemins du but, mais... ils ont dû prendre qu'un point lors de ce match alors que le Mali a réussi en fin de match grâce à Seydou Keïta. Alors regardez, à droite là vous pouvez voir Seydou Keïta, quel magnifique visage. Mais voilà, il n'est pas officiel Seydou Keïta. Donc on a le droit à un visage totalement faux. Seydou Keïta, c'est tout simplement parce qu'il évolue en Chine maintenant, au Dalian Aerbin. Je sais pas comment ça se prononce, donc voilà. On n'a pas pu faire son visage dans Konami, enfin pas officiellement tout du moins, donc j'ai dû laisser le... voilà, comme il est mal fait. Vous pouvez voir aussi, dû à certaines absences côté ghanéen, la présence d'André Ayou sur le banc. Donc il sera peut-être amené à rentrer sûrement avec ses statistiques. Sauf si bien sûr le Ghana mène face au Mali dans la deuxième période et qu'il y a plutôt des apports défensifs pour solidifier l'arrière-garde ghanéenne. Enfin, bref, revoyons d'ailleurs sur les formations, alors que j'ai délaissé un peu la Coupe de France. On a vu Mo qui a tenu en échec la Saint-Etienne jusqu'au bout, jusqu'au pénalty. Mais bon, Aubameyang a signé le dernier but, 7 buts, tir au but à 5 côté stéphanois pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Alors là, il y a Paris Saint-Germain qui mène. Alors j'ai pas la compo de départ, mais il semblerait que ce soit une compo alternative sûrement pour la Coupe de France. 2 buts à 1 face à Toulouse. Donc voyons. Oui, ça c'est pas un problème. Voyez les stats un peu des joueurs alignés lors de ce match virtuel. Là, on va pas trop parler hein, puisque il va falloir pas trop prendre de temps pour la génération, ensuite le montage qui prend un peu de temps. Mais voyez, bon, le seul joueur qui n'est pas dans le groupe de ces deux équipes, c'est Maïga côté du Mali en défense. Il y a bien Maïga, mais c'est un attaquant. Et c'est M Maïga qui est bien présent, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'absents à côté malien. Je crois que je dois dénombrer 5 absences à tout casser dans le groupe, alors que côté ghanéen, je crois qu'il y en a plus. Donc voilà, mais bon, les titulaires sont des joueurs du groupe. Donc on va voir, de toute façon ce sera en fonction des choix des entraîneurs. Mais bon, je vais vous laisser comme d'habitude en compagnie de Grégoire Magoton et de Darren Tulette pour ce match. Alors, on espère des buts. Alors on a eu plus de buts avec une belle corrélation, puisque l'Afrique du Sud a réussi à venir à bout de l'Angola. L'Angola qui avait fait des bons matchs de préparation, mais là qui malheureusement reste à 1 point. Après leur match nul face au Maroc, les Marocains qui sont à 2 points. Avec deux matchs nuls, puisqu'ils n'ont pas pu non plus se débarrasser du Cap Vert. Donc on a deux équipes à 2 points, une à 1 point et une à 4 points. Puisque l'Afrique du Sud a donc réussi à marquer 2 buts à 0, comme dans le match virtuel. Un match qui virtuellement s'est déroulé de nuit, alors que bon, c'était la journée en Afrique du Sud à 16h. Mais bon, on n'a pas possibilité de paramétrage avec ce jeu, je fais de mon mieux. Enfin bref, écoutez, je vous laisse là-dessus et puis j'espère pour vous que vous allez assister à un très joli match entre ces deux équipes. Ciao. Et pour vous commenter ce match, Grégoire Mangoton et Darren Tulette. Alors Darren, à quoi va ressembler ce match à quelques secondes du coup d'envoi? Oui, beaucoup de rivalité entre ces deux équipes, espérons simplement que le match sera à la hauteur. Thank you.
voici donc les joueurs qui vont être alignés. Dangereux pour la défense. Guadou à Samoa. Il peut donner son ballon. Giron à Samoa. C'est le défenseur qui s'impose. Aïga. Oh, c'est chaud! Quelle récupération! Long ballon! 15 minutes de jeu au chronomètre. Giron à Samoa. Frappe! Koulibaly. Aïga. Ah, c'est mal joué, c'est bloqué dans l'axe. Il ne faut pas hésiter à passer sur les côtés. Qui est le premier sur ce ballon? Très bonne lecture du jeu. Danger éloigné. Il s'ouvre l'espace. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. La frappe. Oh, pas de chance sur ce coup. Ça peut être dangereux sur ce contre. Ils ont toujours le ballon. Ils trouvent du soutien. Boateng.
dans le dos de la défense. Bien, le gardien, il capte. Minutes au chronomètre dans cette première période. Boateng. Kwadwo Asamoah. Boateng. Elle était facile cette passe pourtant. Et non, ce ballon ne trouvera personne. Kwadwo Asamoah. Le drapeau ne s'est pas levé. Nouvelle remise en jeu. C'est trop facile pour le défenseur. Rien n'est fait entre les équipes à 5 minutes de la pause. Sissoko maintenant. Une belle inspiration sur cette passe. Concédée, elle peut être dangereuse. Et le ballon qui termine sa course en 6 mètres. Remonte le ballon. C'est intercepté. Boateng. Jean Asamoah. Il choisit de centrer. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Il va falloir qu'ils se remuent en deuxième mi-temps et qu'ils tentent un peu plus de chance. Sinon, on va s'ennuyer ferme. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. La seconde période, c'est parti. Sur l'aile, il y a de l'espace. Il est parti sur l'aile. Ce ballon dans la boîte. Défensivement, c'est parfait. Centre. C'est un tir lointain. Et la puissance y était, mais pas la précision. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il se roue à l'attaque en ce début de deuxième période. Ils savent que c'est un moment important. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période.
Pencil. Oh, bon centre devant le but. Bon, ça ne donne rien à l'arrivée, mais c'était un bon mouvement. On voit qu'il tente d'étirer le jeu, mais pour l'instant, ça manque d'inspiration. Guadou à Samoa. Il doit jouer vers l'avant. Boateng. Guadou à Samoa. Pencil. Il centre, attention! Trouver des occasions, non? Koulibaly. Maïga. Koulibaly. Et ça peut faire mal, là, sur le côté. Il centre dans l'axe. Oh, le ballon au corner. Un petit peu d'oxygène. Choisit de centrer, et cette tête! Non, non, ça ne passera pas! C'est trop passif et à ce niveau-là, c'est impardonnable. Quel but, oh, le one man show. Et l'entraîneur a eu raison de le faire entrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu, c'est fabuleux. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils vont courir après le score, mais ils ont largement le temps de revenir. Mensa. Un centre. C'est bien repoussé par la défense. Sissoko. Il garde le ballon un peu trop longtemps. Koulibaly. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Il y a trop de précipitation dans son jeu. Ça ne sert à rien de balancer un ballon comme ça. Et ballon intercepté. Ils ont toujours le ballon. Le dernier quart d'heure. Dernier changement de la partie pour cette équipe. Et c'est logique de le sortir. On l'a pas vu sur le terrain. Il n'a pas récupéré un ballon. Chaque fois qu'il a eu, il a donné à l'adversaire. Franchement, je l'aurais sorti plus tôt. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Pour le moment. Il dégage bien ce ballon. Il faut qu'il soit présent sur ces ballons. Il faut soulager un peu la défense.
Attention au centre. Il va vraiment falloir que quelqu'un prenne des risques parce que les occasions ne vont pas tomber du ciel. Boateng. Banane. Il va falloir porter le danger vers l'avant. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Là, il a préféré jouer la sécurité. Il met en touche et donne un peu d'air à sa défense. Bien servi dans la profondeur par son partenaire. Ils s'en sortent comme ils peuvent. Corner. Connaît l'importance de ces coups de pied arrêtés. Mais il faut du monde dans la surface de réparation. La tête. Il réussit à dégager. C'était chaud. Avec ce ballon dégagé. Et voilà, le match est complètement terminé maintenant. Oh, le bon résultat pour eux. C'est un début, certes, dans cette compétition, mais c'est un début qu'ils ont parfaitement négocié. Ah, vous savez, le football est parfois cruel. On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable, mais ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Eh bien, le scénario est presque inverse à celui de l'année dernière, puisque c'est le Mali qui se procure le plus d'occasions, qui finit par remporter ce match. L'année dernière, le Ghana avait remporté ce match 2-0, grâce à une belle performance aussi des deux frères Ayou, ici absents. Mais bon, j'ai bien peur que pour le Mali, ce soit plus compliqué contre un Ghana qui va vouloir se racheter déjà d'avoir fait match nul lors de leur match d'ouverture. Donc je pense pas qu'il laisse échapper des points dans ce match. Ça me paraît peu probable devant en plus une faible efficacité offensive. Alors on le sait, le Mali c'est beaucoup de joueurs évoluant dans le championnat français. On sait que le championnat français c'est du solide en défense. Ibrahimovic peut en attester. Mais bon, ça me paraît peu probable. 3 seulement, 3 tirs seulement. Alors contre 7 pour le Mali. Alors ça dépend, si Gian n'est pas en forme, si les joueurs du Ghana sont harassés par la pression de ce match et puis la perspective de perdre des points et de s'éloigner d'une qualification, parce qu'avec un point là, ce serait compliqué pour eux. Le Mali serait à 6 points et déjà qualifié. Tout se jouerait sur le dernier match probablement entre... Ah oui, parce qu'il y a qui dans le groupe à part le Mali et la République du Congo et République démocratique du Congo et le Niger. Donc tout se jouerait dans le dernier match entre le Ghana et le Niger. Tout dépendra aussi du résultat entre la République démocratique du Congo et le Niger. Si Niger vient à gagner et la République du Congo conserve un point, donc ce sera à voir. Mais bon, moi pour moi, ce scénario me paraît peu probable. Je vois le Ghana en domination dans la possession déjà, puisque là ils ont 49, bon, c'est relativement équivalent. On joue à 55 déjà pour le Ghana. Le Mali plutôt évoluant en contre ou dans l'espace, dans le jeu aérien, en puissance, essayant de bouger son adversaire. Mais bon, en technique, je pense qu'en vitesse, le Ghana sera supérieur. Après, on n'est pas à l'abri d'un match à retournement de situation. On a vu l'Afrique du Sud emporté par son public, dominer outrageusement son adversaire l'Angola et marquer 2 buts. Alors est-ce que ce sera le cas avec un Ghana qui aura des difficultés à jouer dans ce match? On sait qu'ils ont mené 2-0 très rapidement face au Congo avant d'être pris. On ne sait pas. Et loin de moi l'idée de fournir un pronostic, mais je vais garder celui-là. Il y a pas mal d'actions côté malien. Alors vous m'excuserez pour le maillot Mali, j'ai pas eu le temps vraiment de l'éditer de façon très... De toute façon les possibilités sont pas énormes dans PES sur
sur console pour pouvoir éditer les maillots. Là il y a juste une bande verte alors que normalement il y a les trois bandes des couleurs du pays, verte, jaune et rouge. Enfin bref, j'espère que vous m'excuserez, surtout les Maliens qui seraient amenés à observer ce match virtuel. Voilà. Regardez quand même les statistiques vite avec les notes, meilleures notes pour Diarra. Bah ouais, son entrée était très... Alors je crois qu'il a été titulaire sur l'aile droite lors du match d'ouverture face au Niger. Avec une ouverture du score, on le rappelle, par Saïdou Keïta qui est crédité d'un 6-5. Là, ouais, pas beaucoup de bonnes notes côté à part Boy. Côté Ghana. Diarra qui se procure l'occasion en accélération, prendre vitesse tout le monde et il frappe magnifiquement du gauche en puissance. Les remplacements, est-ce qu'ils ont tous eu lieu? Oui, avec beaucoup de joueurs absents, hein, finalement. Ce Inkoum n'est pas là, Mensah non plus, son frère Jonathan Mensah, oui, mais pas Mensah, John Mensah, blessé d'ailleurs, je crois, en plus. André Ayew n'est pas là. Alors les Diakité, je sais pas là au niveau, je sais que Diarra est là. Diakité, je vais vérifier vite fait avant que la demi-heure de vidéo n'arrive. Alors ce sera Moutin Diakité. Ouais, il y a Samba Diakité, il est là. Est Diarra qui est effectivement Sigamari Diarra, joueur d'Ajaccio. Et Drissa Diakité, lui par contre n'est pas là, me semble-t-il. Lui n'est pas là, c'est sûr. Voilà. Donc le seul absent, Drissa Diakité en remplacement. Note, bon là on l'a vu, hein. On va peut-être voir avec précision pourquoi Diarra. Bah, parce que entrée fracassante, pour seulement 28 minutes de jeu, il a fait le boulot. Diarra, bravo à lui, je pense qu'il sera titulaire quand même, mais enfin on ne sait pas, on verra. Les statistiques à l'avantage hein, quand même dans les occasions pour le Mali. Le Ghana qui a eu du mal à trouver Djian, à trouver la profondeur et les occasions de but. Interception équivalente, précision de passe même supérieure côté ghanéen. On a essayé de faire tourner avant de se projeter à l'attaque, mais malheureusement la défense, l'arrière-garde du Mali était toujours là, présente. On a vu Sissoko même, Mohamed Sissoko, redescendre bien bas pour avorter les occasions du Ghana. Alors, est-ce que ce sera le cas dans la réalité? Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, puis on se retrouve demain finalement pour le match qui opposera, alors que je regarde le calendrier, match du groupe C entre la Zambie et le Nigeria. Mbombela Stadium, un match avec donc deux équipes qui ont fait match nul, score parfait, égalité parfaite dans ce groupe avec Nigeria, Burkina Faso 1-1 et Zambie, Éthiopie 1-1 lors de la première journée. Donc tout va se jouer déjà dans la deuxième avec des groupes, des joueurs, des équipes peut-être qui auront 4 points et certaines un seul point. Donc, tout pourra être réglé peut-être dans ce match, puis on se retrouvera aussi pour Côte d'Ivoire Tunisie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi puisque ce match se déroulera à 17h je crois, ou 16h, je ne sais plus, enfin dans l'après-midi, là c'est la nuit malheureusement, on ne peut pas régler. Voilà, allez, je vous quitte là-dessus, à très bientôt, ciao.